الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Allah dit, il cherche à éteindre la lumière de la religion d'Allah avec la bouche. Mais Allah fera vivifier sa lumière même en dépit de l'aversion des mécréants. Comme nos frères chrétiens, précisément les apologètes qui sont dans mon laboratoire actuellement, je suis toujours en train donc de leur prescrire les remèdes pour la guérison spirituelle. Maintenant, je vais leur faire mal un peu. Je n'aime pas souvent faire mes conversions en ligne, mais je vais en faire pour leur faire mal. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir que le travail que nous faisons là, ça produit des effets. C'est ça. Eux, ils sont là, ils font comme les convertis. Parce que la vérité n'est pas là-bas. D'accord. C'est des gens qui ne connaissent rien. Absolument rien de nulard. Allô? Allô? Oui? Oui? Salut ma soeur. Allô, salut. Oui. Ok, vous allez bien? Allô? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Bien, j'aimerais vous poser une ou deux questions. Oui. Ok, vous étiez chrétienne? Comment? Vous étiez chrétienne? Non. Ok, vous vivez où? En France. En France? Ok. Vous avez décidé d'embrasser l'islam aujourd'hui, c'est ça? Comment? Vous avez décidé d'embrasser l'islam aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant, la conversion en islam, c'est pas quelque chose de difficile, c'est très simple, donc nous n'allons pas durer. C'est juste une parole que je vais dire et vous allez répéter après moi cette parole. Et une fois que vous l'aurez répétée, en ce moment, vous devenez musulman à l'instant T, musulmane disons. Et sachez que l'islam est une religion qui ne pose pas de conditions avant de pardonner à tes péchés, non. Du moment où tu as déjà regretté ton passé, tu as décidé d'embrasser l'islam, tu as décidé d'adorer le Dieu qui t'a créé et de lui être reconnaissant, du moment où tu t'es repenti de tous tes péchés, Allah il pardonne tous tes péchés automatiquement depuis ta naissance jusqu'au jour de ta conversion. Je récapitule, ce qui veut dire, si tu te convertis maintenant, tes péchés depuis ta naissance jusqu'à maintenant, Allah les pardonne tous, c'est comme si tu venais de naître à nouveau. Donc tu seras, tous tes péchés seront balayés de suite là. Donc tu seras une nouvelle fille, une nouvelle femme, donc dans notre belle religion musulmane. Et toutes les bénédictions que tu feras à partir de maintenant, Allah va exaucer parce que tu es sans péché. Notre religion n'est pas comme ceux qui disent que voilà, il faut croire en la mort de quelqu'un pour que tes péchés soient pardonnés. Non. Allah est le tout miséricordieux, le très compatissant. Bien, donc tu vas lever l'index droit avec moi. Tu lèves l'index droit. Allô? Oui. Voilà, tu lèves l'index droit avec moi. Oui. Et tu répètes avec moi. Ashhadu. Comment? H. Hadou. Hadou. Anne. Amen. Anne. Anne. Amen. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allahu. Allah, wa ashhadu. Wa ashhadu. An. Amen. Anna. Anna. Muhammada. 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 Rasulullah. Lahi. Lahi. Lahi.
Bon, on va répéter en français, ce sera plus facile. J'atteste. En français. Oui. J'atteste. Il faut Répète. répéter, J'ai pas j'atteste. compris. Il faut répéter J'accepte. avec moi. J'atteste, j'atteste. J'accepte. Qu'il n'y a d'autre Dieu. Comment? Qu'il n'y a pas de Dieu. Qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Qui doit être adoré. Doit être adoré. À part Allah. À part Allah. À part Allah. Et j'atteste Et j'atteste. que Mohammed Et Mohammed. Et Mohammed. est son prophète Et son prophète. et son messager. Et son messager. Bienvenue à l'islam, ma soeur. Bien, Merci. comme j'ai dit, tu viens d'être musulmane à l'instant T. Et actuellement, tous tes péchés sont pardonnés depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Donc, tu es né de nouveau donc, dans la religion d'Allah. C'est cette religion qu'il a donnée à l'être humain. C'est par cette religion que ton salut est garanti. Si tu meurs, tu vas au paradis selon la sourate 43, versets 68 à 70. Donc, bienvenue à l'islam et on va prier pour toi et on aimerait aussi que tu fasses des bénédictions pour nous. Et aussi, je vais donner ton numéro à celui qui est chargé des convertis au niveau de la DDR et ils vont essayer d'échanger avec toi pour voir comment procéder à ta formation. Ça peut aller? D'accord. Voilà, il y a un groupe pour les convertis où on forme les gens. Donc je vais donner ton numéro à celui qui est chargé des convertis, il va te joindre. Merci. D'accord. Ok. Merci. Si vous avez des questions aussi, hein, vous pouvez les poser si vous n'en avez pas. Tu as des questions? Pour l'instant, j'ai pas de questions. Merci. Ok, merci beaucoup. Bien, shukran la touba. Madame, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bon, je vais parler ça à Tripan Bamara. C'est même chose ou bien Moussonika, c'est la différence. Bon, à Farda ou à Bekele. À Bébé Oui, sans problème. Seulement, Ok, ni Moussou ben, be je Kalou la crois que je vais Bola, donner ça excuse. aujourd'hui avant de commencer la prière ou Oui, tu dois lui montrer ça préparation. déjà. Tu dois lui montrer ça déjà. Pardon? Oui, tu dois lui montrer ça déjà, quoi. Oui, je vais lui montrer, mais elle peut continuer ça. Elle commence ça aujourd'hui ou bien À l'instant elle T doit faire même. ça d'abord avant de commencer la prière. Elle doit faire ça. Elle doit faire ça d'abord avant de commencer à prier. Ok, pas de soucis. Ok. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, je vais donner son numéro à ceux qui sont chargés de convertir dans la DDR. Ils vont Oui. essayer de l'appeler aussi pour voir la suite de sa formation. Il n'y a pas de souci. Pas de soucis. Ok. Merci beaucoup, Pas frère. de problème. Ok, shukran. Et... Ça là, ça fait mal à mes voisins comme ça. Il y a les apologètes, les chrétiens là, ça leur fait mal. Mais ça là, dedans chaque jour, conversion là même là, je sais pas, on est dedans comme ça. C'est avant, c'était difficile d'avoir un seul converti. Mais aujourd'hui, la DDR là, on ramasse comme ça. Par la grâce d'Allah, hein, c'est pas nous, c'est Allah. C'est Allah qui détient la clé des cœurs. Et comme la vérité est chez nous, il dit, parce qu'Allah il a dit ça, Iza jaa an-nasrullahi wal-fathu. Il dit, quand la victoire d'Allah arrive là, quand ça dit que le secours d'Allah, le temps du secours d'Allah arrive là, quand l'aide d'Allah arrive là, wara'aita an-nasa, tu vois les êtres humains, yadkhuluna fi dinillah, embrasser la religion d'Allah. Afouadjan, et puis des groupes et des groupes. Ils ne rentrent même pas un à un, en foule même. Et c'est ça. La DDR, c'est-à-dire que est le secours d'Allah dans nos temps-là, dans ces temps-là. Ce n'est pas pour ne rien Allah envoyer la DDR. Et on est dedans, on sera dedans. Ça vous fait mal. Buvez un peu d'eau glacée, ça va vous passer. Salam alaikum. Ils disent que les chapeaux qu'on porte là, que c'est fétiche. Hein? Et c'est les volutiers.
Et un moment, Ismaël a qu'à porter toujours son sac au dos à Figaro, là, on est ce fétiche qu'il est là. En fait, il n'y a pas de souci, salam alaikum.